Let us stand up. Le Seigneur a posé une question. The Lord has asked a question. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Do we want to arouse the jealousy of the Lord? Dis Seigneur. Say Lord. Je ne peux pas lutter contre toi. I cannot toi. Fight with you. Je ne peux pas lutter contre toi. I cannot fight against you. Je me repentis. I will repent. Dieu dit que tu punis l'iniquité des pères sur les enfants. You said you punish the iniquity of fathers on children. Dis Seigneur. Say Lord. Peut-être que ce qui m'arrive. Maybe what is happening to me. Vient de mes origines. Come from my origins. Mes origines païennes. My pagan's origin. Avec l'adoration des idoles. With the worship of idols. My parents and my ancestors. Oh Seigneur. Oh Lord. Moi-même j'ai pratiqué l'idolâtrie. Myself, I practiced idolatry. Mais je me suis repenti. But I repented. Je n'ai pas su. I did not know que je devais plaider pour toute la famille. That I should have pleaded for all the family. Quand je regardais même certains membres de ma famille, when I was looking at some members of my family, le complexe de supériorité. I have a complex of superiority. Je me moquais d'eux. I mocked them. Parce qu'ils étaient encore liés par l'adultère, l'alcool. Because they were still tied by adultery and alcohol. Et la malédiction que tu as prononcée sur nous. And the curse that you pronounced on us. A demeuré contre nous. Had remained against us. Elle est restée active. And it has stayed active contre nous. Against her. Parce qu'il n'y a eu personne. Because there was no one pour se tenir devant toi. To stand before you. Et pour plaider. And plead. Je te supplie. I plead you. Exauce-nous ce soir. Answer us tonight. Oh Père. Oh Father. Exauce-nous. Answer us. Ordonne. Command. Que le joug. That the yoke soit brisé. Should be broken. Partout où tu as maudit. Everywhere you have cursed. Ordonne la vie. Command life. Là où tu as donné la puissance à l'ennemi. Where you have given the power to the enemy. Frappe-le toi-même maintenant. Strike him yourself. Oh. Oh Father. Les enfants d'Israël ont crié à toi the après 8 ans. The children of Israel cried out to you after 8 years. Tu as exaucé. And you answer them. Exauce-nous. Answer us. Exauce-nous. Answer us. Exauce-nous. Answer us. Dis, oh Père. So Father. S'il y a des maladies. If there are diseases. Qui règnent dans la famille. Which are in the family. Et sur moi. And on me. À cause des abominations. Because of the abominations. À cause de ta colère. Because of your anger. Donc ton jugement contre les abominations. Your judgment against the abominations. Oh Père. Oh Father. Enlève. Remove. Enlève. Remove. Enlève ce jugement. Remove this yoke. Enlève ce jugement. Remove this judgment. Tu as dit. You have said. Que tu cherches un intercesseur. That you are looking for someone to pray. Merci Seigneur. Here I am. Écoute-moi. Listen to me. Exauce-moi. Answer me. Écoute-moi. Listen to Exauce-moi. Me. Answer me. Listen to oh, me. Oh Père. Oh Father. Oh Father. Oh Père. Oh Father. Oh Père. Oh Father. Oh Père. Oh Father. Oh Père. Oh Father. Ne continue pas dans ta colère. Do not still get angry. Do not keep your anger. Ne continue pas dans ta colère. Do not keep your anger. Ne continue pas
Do not keep on ne continue pas à frapper. Do not keep on striking. Tu n'es pas à frapper. Do not keep on striking. Ne continue pas à frapper. Do not keep on striking. Pardonne. Forgive. Et ordonne la vie. And command life. Pardonne. Forgive. Ordonne la guérison. And command healing. Pardonne. Forgive. Ordonne la délivrance. Command pardonne. Forgive. Pardonne. Forgive. Et ordonne la délivrance. Forgive. And et ordonne la délivrance. Prions en langue. Prions en langue. Pardonne. Ordonne la délivrance. Ora bakare 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 baka ora bakare 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 baka ora bakajor 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 baka re ka baka ore ka baste kara baka seka ora baka seka. Continue à parler au Seigneur. Keep on speaking to the Lord. Cause avec lui. Chat with him. Parle lui. Tell him. Parle lui. Tell him. Parle lui. Speak with 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 him. Parle lui. Speak. Parle lui. Speak with him. Ore abakana basiba. Ore bakara bahiba. Ore bakara bakara bakara. Ore bakara bakara bakara. Ore bakara bakara. Ore bakara bakara. Ore bakara bakara. Ore bakara bakara. Ordonne. Ordonne. Je te demande pardon. Je t'en prie. Ura bakajor baka. Ura bakara bakasa. Dieu Père, pardonne. Forgive. Et ordonne la délivrance. And command. Pardonne, et ordonne la guérison. Pardonne, et ordonne la libération, la restauration. Pardonne, pardonne, et ordonne la restauration. Pardonne, 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 pardonne. Retire la mort, retire la pauvreté, retire la misère, retire l'opprobre, enlève l'opprobre, enlève l'opprobre. Oh Père. Continue à prier. Keep on praying. Dieu Père, oh, Father, pardonne les assassinats dans la famille. Forgive murders. Pardonne l'ivrognerie dans la famille. Pardonne forgive la prostitution dans la famille. Forgive. Pardonne l'orgueil. In the family. Forgive pardonne l'idolâtrie. Pardonne l'adoration des eaux. Forgive the worship of l'adoration waters. Des crânes. The worship of cats. L'adoration des arbres. The worship of trees. L'adoration des pitons, des reptiles. The worship
of reptiles, l'adoration des and êtres humains, des êtres humains. Worship of human beings. Oh, pardon, pardon, oh, pardon, pardon. Forgive, forgive, pardon, pardon, pardon. Forgive, forgive. Pardon, pardon, pardon. Forgive, forgive, Lord. Pardon ceux qui vont dans l'église forgive. Mais qui vivent dans le péché. Those who go to church and live in sin. Pardon ceux qui ont cru et qui ont rétrogradé. Forgive those who believed and backslided. Et quand ils ont rétrogradé, ils ont and commencé à blasphémer, à blasphémer, à blasphémer. Blaspheming. Dieu au Père. Oh Father. Pardon les blasphèmes. Forgive the blasphemers. Des membres de ma famille. Of the members of my pardon family. Pardon les blasphèmes. Forgive the blasphemers. C'est nous, c'est nous, c'est we nous. We are the one. C'est à nous la faute, à nous la faute, à nous la faute. It's our fault. Nous ne te connaissons pas. We did not know nous you. Ne savons pas t'adorer. We did not know how to nous worship ne faisons you. Que pécher contre toi. We just sin against et you. Et les problèmes nous assaillent. Problems are surrounding us. Les problèmes nous environnent. And problems are surrounding us. Oh, donne-nous la vie, donne-nous oh, la vie. Give us life. Donne-nous la vie, donne-nous give la vie. Give us life. Oh, viens à notre secours. Come to our rescue. Viens délivrer. Come and deliver. De la mort précoce. From the hell. Viens délivrer. Come and deliver. De la pauvreté. From poverty. Viens délivrer. Come and deliver. Du célibat. From his viens délivrer. De come la mort. From death. Viens délivrer. Come. Viens délivrer. Come and deliver. De l'opprobre. From shame. L'opprobre. Deliver from les maladies. Deliver from les maladies. Disease. Deliver from les maladies. Diseases. Deliver from continue diseases. À prier. Keep on praying. Prie jusqu'à ce que Dieu descende dans pray la situation. Till God come down in dis à Dieu, viens, viens, viens. Tell him, come, 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 dis, come. Oh Dieu, viens, viens. Oh God, come. Oh Dieu, ordonne, ordonne, ordonne. Oh God, command. Dieu au Père, so, Father, pardon la sorcellerie, la sorcellerie, forgive witchcraft. La sorcellerie, la sorcellerie. Forgive witchcraft. Continue à prier, continue keep à prier. On praying.
Dieu Père, Dieu Father, éloigne de nous. Get far from us. Les armées ennemies. The enemy armies. Que toi-même tu as laissé nous attaquer. You have allowed yourself continue to attack prier, us. Continue à prier. Keep on praying. Tu peux t'asseoir. You can sit down. Cette prière va apporter this prayer will bring a great deliverance in your life. Reste concentré. Remain focused. Quand le Seigneur t'exauce, il anéantit les ennemis. Answers you, he crushes down your enemies. Il est miséricordieux. He is merciful. Cette prière t'apporte une grande délivrance. This prayer brings a great deliverance to you. Tu ne peux pas rentrer dans ton Dieu. You can only go back home as you came. Même si c'est un Goliath. Even if c'est Goliath. Même si c'est un Goliath. Even if it is a Goliath. Il va tomber. He will fall. Il est même déjà tombé. He has already fallen down. Ne perds pas le temps. Que la faveur du Seigneur te soit accordée. May the grace of the Lord. Le Seigneur est en train de travailler même dans les villages. The Lord is at work even in the villages. Même dans les villages. Even in the villages. Il envoie des légions d'anges. He is sending armies of angels. Casser les idoles. To break the idols. Ici comme ailleurs. Here as somewhere else. Il guérit des malades. He is healing sick people. Il guérit des malades. He is healing sick people. Certains démons qui sont restés, qui ont résisté. Some demons who resisted. Ils cassent leurs
les résistances. He's breaking the resistances. Il casse les résistances. He breaks the resistances. Il casse les résistances. He breaks the resistances. Il casse les résistances. He breaks the resistances. Il casse la résistance. He breaks the resistances. Si c'est dans l'eau. If it is in water. Le démon qui sort de l'eau qui vient. The demon who get out of the of water. Tous les esprits des eaux. All the spirit of waters. Quand le Seigneur exauce. When the Lord grants. Il met le désordre. He put disorder. Dans le camp des méchants. In the camp. Il fait tarir des eaux. Of the wicked people, he dries. Fait tarir des eaux. He dries the waters. L'arbre qu'on adorait. The tree that was worshipped. Est abattu par les anges. Is broken by angels. L'arbre qu'on adorait. The tree that was worshipped. Est abattu. Is broken. Taillé en pièces. Is cut into pieces. Abattu. Broken, et taillé en pièces. Cut into pieces. Abattu. Broken, et taillé en pièces. And cut into pieces. Les totems. The totems. Les oiseaux qui servaient d'avion. The bird which were taillé en pièces. Are cut into pieces. Et taillé en pièces. He cut into pieces. Tous les animaux. All the animals. Qui étaient utilisés par les who méchants. Was used by wicked people. Taillé en pièces. Taillé en pièces. Cut into pieces. Cut into pieces. Taillé en pièces. Cut into pieces. Taillé en pièces. Cut into pieces. Toutes les voitures démoniaques. All the devilish cars. On dit les sorciers, ils ont des avions. Ils taillent en pièces. We cut ils into cassent pieces. Les ailes des avions. He cut into pieces. Ils frappent les moteurs. The wings God, of a plane. Ils les précipitent. He froze them. Plus. He froze them. Il n'y aura plus de puissance. They have no more power. Urabakasharabaka. 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 Leur lieu de refuge, place of rescue, of la forteresse où ils allaient se cacher, the fortress in which they est démolie, démolie, démolie. Demolished. La forteresse du ville démolie. The stronghold is demolished. Les captifs de ton village, the captives of your village, de ta famille, of your family. Libérés, released. Libérés, released. Libérés. Released. La forteresse cassée, cassée, cassée. The broken, broken. Les captifs libérés, libérés, libérés. Les captifs libérés. The captives released. Et les grandes maladies. And the big, les maladies qu'on ne pouvait pas expliquer. The disease that was, we cannot explain. Le Seigneur ordonne. The Lord commands. Qu'elles s'en aillent. That they disappear. Maladies. Sickness. Maladies. Sickness. Partez. Go. Le Seigneur n'est plus irrité. The Lord is no more angry. Le Seigneur n'est plus irrité contre son peuple. The Lord is no more angry against his people. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on dis your head. Dis mon ennemi. Say my enemy. Mon père. My father. N'est plus irrité contre moi. Is no more angry mon after père. Me. My father. N'est plus irrité contre moi. Is no more angry after qui me. Va-t'en. Go now. Je te désarme. I remove your arm. Je te frappe moi-même. I struck you myself. Va-t'en. Go away. Va-t'en. Go away. Tu n'as plus l'autorité sur moi. You have no authority on tu ne dois plus rester là. You must not stay there. Tout ce que tu as apporté dans ma vie. All that you have brought to my je life. Le détruis, je le brûle. I destroy them and I burn them. Dis dans le passé. In the past. J'ai commis l'erreur en disant prends ce que tu as apporté. I committed the error taking, telling you take what you brought. Je ne te permets pas de prendre quelque chose. I am not allowing you. Je détruis tes œuvres. I destroy your work. Je brûle même tout ce qui t'appartient. I even burn all that belongs to j'arrache ce qui m'appartient. I snatch what et je brûle ce qui t'appartient. And I what j'arrache ce qui t'appartient. J'arrache ce qui m'appartient. J'arrache et je conserve ce qui m'appartient. And I keep what belongs to me. Je ne te permets pas d'emporter ce I que tu as. Je brûle. Je brûle. Je brûle. I burn. Je ne te laisse pas libre. I'm not leaving je t'enchaîne. I enchain you. Je t'enchaîne. I enchain you. Dans le passé. In the past. Je te laissais partir. I used to leave you go. Je disais va, il ne revient plus. I said, go, mais maintenant, but now, je te saisis. I'm je t'enchaîne. I enchain je t'enchaîne. I enchain you. Et je te chasse. And I cast you out. Va-t'en maintenant. Go now.
Enchaîné dans le désert. Enchaîné dans le univers. Kurabaka, continue à prier. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Lève ta main droite. Put up your right hand. Dis, si c'était déjà pris et caché. If it was already taken and hidden. Nous entrons partout où ça a été caché. Enter everywhere it was hidden. Dans les mers, les eaux. In the seas, in the waters. Ce jour des morts, les abîmes. In the hills, in the abysses. Dans le désert. In the desert. Dans le lieu céleste. In the hidden. Nous arrachons toutes choses. Qui nous appartient. Which belong to us. Toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Petites ou grandes. Big or small. Qui nous appartient. Which belong to us. Qui nous appartient. Which belong to us. Qui nous appartient. Which belong to us. Et nous arrachons cela. Anathema. Et nous le gardons à notre disposition. And we keep them. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Garde le calme. Keep cool. Okay. Tu peux causer avec Jésus. You can interact with Jesus. Tu peux te consacrer à lui. You can consecrate yourself to. Tu peux renouveler ta consécration. You can renew your consecration. Toi, si tu es un démon, if you are a demon, qui est en train de se manifester, who is manifesting itself, va-t'en maintenant. Go away now. Si tu es un esprit de mort, if you are a spirit of dead, esprit de mort, spirit of dead, tu n'as pas où aller. You don't know where to go. Et c'est pour ça que tu résistes. This is why you are resisting. Va-t'en vite. Go away quickly. Si tu es l'esprit d'un parent, if you have a spirit of a parent, a relative, déjà mort,
already dead. Tu suivais. And you were following someone. Et tu entends ce que je dis. And you hear what I'm saying. Va-t'en. Go away. Je dis esprit de mort. I say spirit of death. Tu entends ce que je dis. You can hear what I'm saying. Va-t'en vite. Go away quickly. Ce corps ne t'appartient pas. This body does not belong to you. C'est le corps que Jésus a racheté. It's the body Jesus has redeemed. Va-t'en vite. Go away quickly. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Toi, esprit de Python. You, spirit of Python. Qui a été adoré. Who has been worshipped. Et à qui on a donné toutes les femmes. And to whom all the women has nous been. Nous te les arrachons. We snatch them out of your hands. Nous te les arrachons. We snatch them out of your hand. Va. Nous les arrachons. We snatch them out of your hands. Oui. Oui, ainsi dit au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Toi, Python. You, Python. À qui on a donné toutes les femmes. To whom all the ladies have been given. Nous te les arrachons. We snatch them out of your hands. Nous te les arrachons. We snatch them out of your hands. Nous brûlons les alliances. We burn the alliances, the covenants. Nous te commandons. We command you. De vomir toutes les richesses volées. To vomit all the riches you have swallowed. Et nous restituons cette richesse à la famille. And we restitute these riches to the family. Si tu es l'esprit d'un chef. If you have a spirit of a chief. Ou d'un roi. Or a king qu'on a adoré, that was worshipped, à qui on a donné toutes les femmes, to whom all the girls was given. Nous te les arrachons. We snatch them out of your hands. Nous cassons ton trône. We break the throne. Nous te jetons dans la poussière. We throw you. Nous arrachons toutes les femmes. We snatch. Nous arrachons toutes les femmes. We snatch all the girls from you. Disons Jésus est roi, Jésus est roi. Jesus is king, Jesus is king, Jesus is king. Jesus is king. Jesus is king. Jesus is king. Jésus est roi. Jesus is king. 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 Jesus is Lord. 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 Son nom est élevé. His name is lifted up. Au-dessus de tout nom, de tout nom, de tout nom. Beyond any name. Au-dessus de tout trône, de tout trône. Beyond all thrones. Au-dessus de toute domination, de toute domination. Au-dessus de toute autorité, de toute autorité. Au-dessus de toute dignité, de toute dignité. Jésus Christ. Christ. Jésus Christ. Jesus Christ. Si un démon. If a demon
a touché un enfant. Has touched a child. Si tu habites un enfant. If you dwell in a child. Je te chasse, va-t'en vite. We cast you out. Go away quickly. Tout démon. Any demon. Qui habite un enfant, qui l'empêche de dormir la nuit. In a child and preventing him from sleeping in the night. Qui produit les cauchemars. Producing nightmares. Qui donne à manger. Giving food. Va-t'en vite. Go away quickly. Va-t'en vite. Go away quickly. Va-t'en. Go away. Dieu au nom de Jésus. Jesus. Il y a jugeons encore les serpents. Let us judge again the serpents. Certains ont des serpents qui gardent dans les latrines. There are some serpents who are in the latrines. Et leur rôle c'est de voler. Ces serpents volent les richesses et les donnent. And this snake steals the riches and gives it to them. Si un serpent a volé tes biens, if a snake has stolen your goods, nous l'arrachons. We snatch it out. Et nous mettons fin à la pauvreté. And we put an end to poverty. Si ton voisin a un serpent, if your neighbor has a snake, je détruis ce serpent. We destroy this snake. Et nous mettons une séparation entre toi et tous tes voisins. And we put a separation between you and all your neighbors. Tu appartiens à Jésus-Christ. You belong to Jesus Christ. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ. Très fort. Let us clap loudly. Amen. Amen. Il reste un sujet, on va d'abord vendre les livres. Après, on va we'll prier. First sell the books and we'll go back to one remaining topic. On va prier pour la guérison. We'll pray for healing. Pas en commandant aux maladies. Not by commanding diseases. En suppliant le Seigneur. But pleading the Lord. D'agir. To act. Après cette prière-là. After this prayer. Certaines personnes pourront même être opérées par les anges. Some people will even experience operation des by cas angels. Difficiles qu'un homme ne peut pas maîtriser, Dieu hard va s'occuper de ça. Cases that a man cannot master, God will take care of it. Il y a quelque chose à donner pour les livres. Il nous faut 293 000. Qui est le premier à venir débloquer? Bien vite. France, félicitations. Les France. Femmes toujours. Oh là là. Women are always the first. Je ne suis pas en train de dire que les hommes ne sont pas forts. Ouais, vous voyez? Ça, c'est bien. Merci. Il faut compter en même temps. Apprêtez-nous 100 copies de 100 copies de brisement des liens, 100 copies de la vraie repentance, 100 copies of breaking of evil ties and 100 copies of the true repentance, 100 copies de renversement, 100 copies
of the overthrow of principalities. Ok. On a déjà combien? Francis, donne ce que tu as rapidement, on voit ce qu'il faut faire. Qui veut donner, mais il ne veut pas se déplacer comme ça, ça va aller. Give some money, come here. Pendant que les autres, levons les mains et prions que la victoire soit totale. Always, let us put up our hand and let pray that the victory should be complete for deliverances. Père, nous imposons une victoire totale. God, we impose a total victory. Nous jugeons les résistances. We charge the resistances. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Les sœurs sont là toujours. Sowers are always à there. À tous les rendez-vous. To all the appointments. Je ne suis pas en train de dire que. I'm not saying that. Tu n'es pas là. That you are not there. Il manque 193. Prenez l'autre là. Encore ici, regarde. Ah, ça vient. Oui, venez rapidement. Les dons sont finis. C'est pas fini. Il manque combien? 100? Il manque 118. Si on a 118 000, chaque livre va coûter 1 franc. Et 3 tirs. We need 118,000 francs so that we may sell the books at 1,000. Il faut, nous étions à Douala. When Douala, et 150 000. A brother gave 150,000 francs. Et il a débloqué 100 personnes. It means that he disbloque
100 people one time. Mais c'était un homme d'affaires. But he was a businessman. Oui, je savais que les hommes d'affaires peuvent faire la différence. Quelqu'un débloque avec 150 euros. Someone has unblocked us with 150 euros. Non, nous pouvons commencer. C'est sur la compte 1000 francs. Bien, vite, vite, s'il te plaît. Si tu n'as que 1000 francs, tu te. If you only have 1000, come quickly, please. Donnez-leur des livres en même temps. Give them the books. Organise ça rapidement. Dès que quelqu'un tend la main, vous prenez. Non, ne discutez pas avec les gens. Même s'il n'y a pas de place, donnez seulement les livres. Prochainement, quand vous venez aux réunions, n'allez pas derrière. Soyez au premier banc. Mettez-vous en rang rapidement. Donnez seulement les livres. Qui veut la vraie repentance? Acclamation à Jésus-Christ. Tu veux quel livre?
Dès que tu as ton livre, tu pars t'asseoir. As soon as you have your book, you go back to your seat. Oui, il faut payer. Paye seulement. Il reste une minute. One minute left. Une minute. Trente secondes. In 30 seconds, we stop. Vous pouvez aller vous asseoir. Allez déjà vous asseoir. C'est fini. Please go and sit down. It's finished. Let's clap for Jesus. Tenons-nous debout. Let us stand up. D'un commun accord. In a common agreement. Non, écoutez, d'un commun accord, demandons la guérison de chacun. In a common agreement, let us ask for the healing of each of us. Ne pense pas à toi-même. Don't think about yourself. Dis à Dieu, si tu ne nous guéris pas, nous allons chez qui? Tu veux qu'on aille chez qui? To whom do you want us to go if you do not heal us? Dis-lui que j'avais appris. Sœur avait la fer au dos, le fer au dos, et le fer rouillé, tu as enlevé. I've learned that a sister has a iron in a bag, an old iron in a bag, and you removed it. Dis-lui que j'avais appris que tu as enlevé une tumeur au cerveau. Have learned that you have removed a tumor in the brain. Pas au temps des apôtres. Not at the time of the apostles, but in our days. Dis, j'ai appris que tu as ressuscité les morts. Say, I have learned that you have resurrected the dead. Dis-lui tes œuvres. Tell him your works sont nombreuses parmi nous. Are numerous in our midst. Exauce-nous. Answer us. Exauce-nous. Answer us. Exauce-nous. Answer us. Par compassion. By your compassion. Et non par nos mérites. And not because we deserve it. Dis, oh Père. Oh Father. Isaïe a dit. Isaiah said. Toute notre justice. All our justice est à tes yeux comme un vêtement souillé. Is at your eyes like a dirty cloth. Si tu veux nous faire du bien. If you want to do good to us. Et nous savons que tu veux nous faire du bien. And we know that you want to do good to us. Agis seulement par compassion. Work in our life only by nous your n'avons compassion. Rien. We have nothing. Nous ne pouvons rien. We can't nothing.
Il n'y a que nos fautes devant ta face. Only we have our fault in your before you. C'est pas ta grâce. It's by your grace. Effacé. That our sins are cleansed. Oh Père. Oh Father. Au nom du Seigneur Jésus. In the name of the Lord Jesus. Au nom de notre grand frère. In the name of our senior brother. Aimé. Our beloved brother. Qui a sur nous le droit du rachat. Who has upon us que tu as envoyé toi-même of redemption, as comme you ton send, Messie, as you send yourself en son as nom, your Messiah. Guéris-nous. Heal us. Guéris-nous. Heal us. Guéris-nous. Heal us. Guéris-nous. Heal us. Guéris les enfants. Heal your children. Guéris les jeunes. Heal guéris the children, adultes. The youth. Guéris les vieux. The adults. Guéris les vieillards. The old. Oh Père, guéris. The very old. Guéris. Oh, guéris. Father, guéris. Heal. Guéris. Continue à supplier Dieu. Keep on pleading God. Continue à supplier Dieu. Keep on pleading God. Dieu, oh Père. Oh, say, oh Father. Juge le règne de la maladie. Judge the rule of disease. Continue à crier à Dieu. Keep on crying to God. Pendant que tu pries, while you are praying, tu peux poser la main sur ta tête ou bien tu poses la main sur là où tu es malade. Your hand on your head or at the place you are sick. On continue à crier à Dieu. We keep on crying out to God. Continue à crier à Dieu. Keep on crying out dis-lui, to God. Tu peux, tu peux, tell tu peux, you tu can, peux. You can, tu peux, can. Tu peux. You can. Tu peux, tu peux. You can. Tu peux, tu peux. You can. Tu peux. You can. Tu peux. You can. Tu peux. You can. 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 You can.
Dieu, oh Père, oh, Father, roule l'opprobre, roule l'opprobre, roule l'opprobre, continue à crier à lui. Keep on crying out to him. Dieu, oh Père, oh Father, change les organes, change the organs, des organes défaillants. The defective organ. Tu peux. You can. Change le cœur défaillant. Change. Change les poumons défaillants. Change the faulty lungs. Change the faulty. Tu nous as révélé. You have revealed to us. Que tu as des organes. That there are organs. Au ciel. In heaven. Au ciel. In heaven. Nous avons écouté le témoignage. We have listened to the testimony. Et nous avons cru. And we have believed. Agis. Walk. Let us pray in tongues. Prie en langue. Pray in tongues. Tu peux t'asseoir. You can sit down. Quand le Seigneur agit, when the Lord is walking, mon sur le chemin, il écrase. He wears a demon on the way, he crashed down. Si le Seigneur te parle, crois. When the Lord talks to you, believe. S'il te dit, je te guéris. If he tells you, I heal you. N'attends pas que les anges viennent te dire ça encore. Do not wait for the angels to come and tell you again. C'est ça qu'on appelle la foi. This is what they call faith. Et quand tu crois, and when you believe, je te bénis. God bless you. He blessed as he blessed Abraham. Quand il a dit à Abraham, tu auras un enfant. When he taught Abraham, you will have a boy. Abraham n'a pas douté. Abraham did not doubt. Alors qu'il était déjà très vieux. While he was already very old. Tout ce qu'il faut pour enfanter, sa femme n'avait même plus. What was needed to give birth, his wife has no more. Dis Seigneur, je te crois. Say Lord, I believe you. Je crois. I believe. Je crois. I believe. Dis je reçois. Say I receive. J'entre dans ta guérison. Say I enter into your healing. J'entre dans ta guérison. I enter your healing. J'entre dans ta guérison. I enter your healing. J'entre dans ton salut. I enter your salvation. Un salut complet, total. A total, a complete salvation. Tu n'es pas venu seulement pardonner le péché. You have not come only to forgive sins. Tu es venu. You have come pour la rédemption totale. For the total redemption. Tu es venu. You have come pour le pardon des péchés. For the forgiveness of sins. Pour la sanctification. For the sanctification. La purification. For purification. Et tu es venu pour la guérison. And you have come for healing. La guérison physique. The physical healing. La guérison psychique. The psychical healing. Toutes sortes de guérisons. Any kind of healing. Les petites maladies, les grandes maladies. Of small and great diseases. Les grandes maladies. The great diseases. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ. Merci.
Thank you. Qui veut rendre témoignage, viens vite. Who want to give a testimony? Come here. Donnez-lui le micro. Oui, commence. Gloire à Dieu. Je voudrais rendre grâce au Seigneur, lui dire merci pour le pardon de ma famille. Lorsque je priais souvent pour ma famille, j'avais l'impression de toujours voir le Seigneur avec le dos tourné, qui ne me regardait pas du tout. Et je me limitais souvent à mes parents. On mettait son micro. Continue. Je me limitais souvent dans l'intercession au niveau de mes parents et de mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, quand on a intercédé, je me suis rendu compte que mon cœur s'était élargi. Je pensais à mes oncles, à mes cousins, à mon village. Je ressentais la douleur de chacun. Et à un moment, quand on était en train de prier, le Seigneur a dit, je t'ai exaucé. C'est fini ma colère. Je veux juste que ma gloire resplendisse dans ta famille. Pardon, excusez-moi. Je suis la sœur Moïra Coriz, disciple du frère Constant. Je disais que le Seigneur m'a dit qu'il m'avait exaucé et qu'il revenait sur sa colère et qu'il voulait juste que sa gloire resplendisse sur ma famille. Je continuais à prier et j'ai été rassurée lorsque le frère Boniface a dit que le Seigneur n'est plus irrité. Donc je suis sûre que le Seigneur a pardonné à ma famille tous les péchés que nous avons commis. Je lui rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Mon nom, c'est Simon Steve Torres. Mon faisait des disciples, c'est le pasteur Sassou. Je suis Camerounais et pendant qu'on priait et que le pasteur parlait, le Seigneur était en train de m'expliquer tous les esprits des morts, les esprits qu'adorait ma famille. Il me montrait dans chaque milieu, dans chaque famille, les esprits qui nous suivaient. Après, le Seigneur m'expliquait qu'il y a les esprits qui sont cachés dans les prédications des dominations. Que lorsqu'on suit les prédications des dominations, c'est un esprit de python qui est caché derrière. Ça, quand vous suivez ça et qu'il parle en langue, cet esprit, ça se promène dans le corps comme un venin. Bon, Jésus, le Seigneur. Bon, le Seigneur m'a délivré de l'esprit des dominations, de cet esprit des dominations qui est sorti de moi. Et après, s'est tourné, m'a regardé mal, m'a toisé, et puis s'est en allé. Et il m'a remis tout ce que j'avais perdu. Gloire soit au Jésus-Christ. À Dieu. Mon nom c'est Kwadio Aou Rebecca Elsa Laure. Mon frère des disciples c'est le pasteur Ebenezer Yapo Kwame. Je suis de la zone d'Adjamé. Un grand témoin. Lorsqu'on a fini de rendre le militaire en bas, je suis partie m'asseoir. J'ai eu soudainement mal aux pieds et puis mes pieds ont commencé à chauffer très, très fort même. Donc je ne comprenais pas. Et pendant qu'on priait, que je priais, mon pied a commencé à glacer de la clé. La douleur est partie totalement. Donc je voulais rendre gloire à Dieu pour la guérison qu'il m'a accordée. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Solange Dombwe, disciple de la sœur Clémentine Obuno. Je veux dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a guéri d'un mal de tête tout à l'heure, au nom de Jésus-Christ. Amen! Gloire à Dieu. Je suis la sœur Sokoba Adeline. J'ai pour faisant des disciples le pasteur Egbao. Je voulais dire merci à Dieu. Tout à l'heure, quand on priait, je me suis vue sous l'eau. J'avais l'âge de 5 ans, j'étais bien blanc. Et il y a une femme qui me disait, c'est bon, je suis fatiguée. Faut partir. Jésus-Christ, c'est fini. Et encore, quand on priait,
Dans la famille, on adorait le sulul. Et... Micro, si... micro. Gloire à Dieu. J'ai vu un gros sulul sortir de l'eau et sa gueule était ouverte. Et je voyais quelque chose qui sortait à l'intérieur de lui. Et lorsqu'on priait pour juger, le sulul a fait sortir un gros lingot d'or de ventre. Et il disait, je suis fatigué, je suis fatigué. Et on l'a brisé pour arracher tous nos biens qui étaient en lui. Amen. Victoire totale. Total victory. Gloire à Dieu. Mon nom, c'est Amani Nguezan Solange. Mon faisait des disciples, c'est le pasteur Toussaint. Le dirigeant, le missionnaire de l'assemblée de Yabayou. Je passe là pour dire merci à Dieu. Que lorsque nous étions en train de prier, on avait commencé à intercéder. En tout cas, j'ai vu un gros trou devant moi. Et il y a un oiseau tout blanc qui est rentré dans le trou. Et le trou a commencé à se faire. Je dis merci à Dieu pour cette délivrance que tu m'as accordée. Au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Adonis Valérie et j'ai pour faiseur de disciples le pasteur Minier. Je veux dire merci au Seigneur qui a accepté de restaurer ma famille. Alléluia. Hier, après la rencontre, aux environs de minuit, je suis allée devant le Seigneur et j'ai commencé à supplier que le Seigneur pardonne à ma famille. Et j'entendais dans mon esprit qu'il ne nous pardonnait pas parce que nous étions méchants. Alléluia. Effectivement, l'année dernière, j'avais appris que dans ma famille maternelle, dans le village, il y avait beaucoup d'empoisonnement. Les jeunes s'empoisonnaient et il y avait beaucoup de suicides. Donc, j'ai supplié le Seigneur toute la nuit. Et lorsque le papa a donné le sujet tout à l'heure, je me suis mise à pleurer devant le Seigneur, disant que si lui ne nous pardonne pas, qui d'autre peut nous pardonner? Et pendant que nous étions en train de prier, j'ai reçu dans mon esprit que le Seigneur me disait, « J'accepte ton pardon et je restaure ta famille. » Au même moment, le pasteur Meunier nous dit, le Seigneur a accepté de nous restaurer. Je veux infiniment dire merci au Seigneur, lui qui accepte nos pardons et qui restaure nos familles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Zegbe Constantine. Je suis bâtie par maman Marie Thuo à Boaké. Moi, je veux dire merci à Dieu pour la guérison qu'il m'a donnée tout à l'heure. Et ce matin, je me suis réveillée avec une douleur à l'épaule droite. Et quand on a commencé à prier au début, la douleur s'est intensifiée et j'avais un peu mal à lever mon bras droit. Et quand on a repris la prière pour juger les maladies, la douleur a disparu. Maintenant, je peux bouger mon bras. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai pour faiseur d'ici Maman Honorine de Dieu. Je m'appelle Gouré Aou Cécile. Quand je venais ici, j'étais malade. Je ne pouvais pas marcher sur mes deux pieds. Je boitais. Mais depuis, j'ai suivi la prière. Depuis mon entrée ici d'abord, depuis hier, ça allait, ça a repris. Et pendant la prière, en tout cas, je ne sentais pas mes douleurs. Je partais aux toilettes même, je partais en courant. Donc, je suis là pour dire merci à Dieu et aussi qui s'est passé tout à l'heure par rapport à les liens parentés. En tout cas, mes parents ont été épargnés. Je dis merci au Seigneur. Gloire à Dieu. Je suis le frère Zedawa Romaric. Et mon frère est d'ici, c'est le papa Kwawe Emmanuel. Je suis de l'église de Saint-Pétro. Frère, pendant qu'on priait, quand papa Boniface Meunier a touché sur le sujet des voitures, des esprits, des morts, frère, je voyais des voitures qui s'égaraient, des différentes couleurs, et je voyais des feux qui tombaient dans les voitures. Je voyais des feux qui tombaient dans les différentes voitures. Donc je vais bénir le Seigneur pour cette vision. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, Yoren Emmanuel Esther, mon faisait de disciple, c'est le pasteur Ézéchiel. Je voudrais dire merci à Dieu, lui qui m'a délivré de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Miran Sangare Ahmed,
mon faisant des disciples, c'est pasteur Ézéchiel. Je vais dire merci à Dieu que je suis venu à grand à l'épée. Au nom de justice. Amen. Alléluia. Moi, je me nomme Aimé Nadej. Mon faisant des disciples, c'est la sœur du monde de Mariam. Je vais dire merci à Dieu pour la délivrance qu'il a commencée dans ma vie. Au moins ce soir, j'étais assise là et le papa a pris le micro. Où il est temps de prêcher, vraiment, je ne me sentais plus. Il est temps de prêcher, je ne me sentais plus. Je crachais, j'ai eu la nausée, vertige, j'étais assise là. J'étais bizarre, je ne pouvais même pas écrire même tout ce qu'il disait. Et à un certain moment, je me suis levée pour aller dans les toilettes. J'ai failli tomber là-bas parce que je ne me sentais plus. Je ne me sentais plus, je voyais bizarre mon visage. Et jusqu'à quand je suis arrivée, quand il a commencé à dire encore prier pour les serpents, les trucs, vraiment j'ai vu un gros serpent qui s'est placé devant moi et en même temps il est parti. Alors c'était un moment où il a commencé à dire encore prier pour les malades. Vraiment Dieu m'a guéri. Je rends gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est la sœur Wegi Blondine. Il est faiseur de disciples, pasteur Kwame Léon. Tout à l'heure, quand on priait, quand papa Meni a dit de prier pour la repentance, vraiment, il faut dire j'étais la première dans la famille à courir vers le Seigneur Jésus, mais ce n'était pas le véritable. Je n'avais pas encore croisé le véritable. Il faut dire que j'ai déjà fait ce soir. Alléluia! Et ce soir, vraiment, en priant, j'ai vu un cercueil blanc. Le cercueil s'est ouvert. Quand ça s'est ouvert, j'ai vu des fleurs. Après, quelqu'un a enlevé les fleurs et j'ai vu que dans le cercueil, il y avait plein de bibles dans le cercueil. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette délivrance au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Lama Rebecca et mon faiseur, c'est le pasteur Kwao de San Pedro. Pendant qu'on priait, quand papa a demandé qu'on supplie le Seigneur, qu'il pardonne nos familles et nous, et que toutes ces malédictions qu'il les retire. Frère, je priais, je pleurais tellement devant Dieu. Et tout d'un coup, j'ai reçu une vision. Et dans cette vision, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ au-dessus de nous. Et il nous tenait la main. Il faisait sa main sur nous comme ça, comme s'il nous bénissait. Et j'ai ouvert les yeux, j'ai refermé mes yeux encore. Je vois le Seigneur Jésus, il nous tenait la main et il nous bénissait. Je lui rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Let us clap for Jesus Christ. Next. Gloire à Jésus. Je me nomme Nguessan Colette. Mon faisait c'est maman Meunier Colette Meunier. Je vais rendre grâce à Dieu parce que vraiment, chaque année, je ne prends pas à cœur trop pour prier pour ma famille. Mais tout à l'heure, vraiment, mon cœur était tellement touché. J'étais en genoux en train de pleurer devant Dieu. Pour ma famille, vraiment, du coup, je vois où ma mère, il adorait l'Okadola, c'est un serpent. Chaque année, ce serpent, c'est en bas de ces chaises royales. Là. Serpent, là, ils sont, et puis on donne à manger. Après, ils rentrent encore. Et tout à l'heure, je voyais, puisque je suis la reine, et j'étais la reine, maintenant je ne suis plus. Quand papa Meunier, tu m'appelles en princesse, il y a vraiment, il y a quelque chose que vraiment bouge à moi. Tout à l'heure, je voyais, il y a un couronne vraiment en long, comme ce qui était sous ma tête. Et je voyais, il y a une mère qui est venue arracher cette couronne-là pour jeter. Vraiment pour jeter. Yes. Et puis il dit vraiment, maintenant tu m'appartiens. Donc je vais rendre grâce à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ. Je suis le frère Jésus Anselme. Mon frère le disciple, c'est pas à Salé, il arrivera. Mais dis merci à Dieu pour la délivrance qu'il m'a accordée ce soir. Depuis lundi, je suis venu. À chaque fois, j'étais fatigué. Chaque heure, je me sens lourd.
Mais tout à l'heure, lorsqu'on priait, je me sens léger. Et je demande à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, viens me délivrer de l'esprit humain. Mais je dis infiniment merci à Dieu pour cette délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Ori Sabine, hier pour faire des disciples, l'ancien Bourgo de Gagnois. Je voulais dire merci à Dieu qui m'a délivré du buton tout à l'heure. Quand papa a dit, on a qu'à prier pour les pitons, j'ai eu mal de ventre. J'ai commencé à cracher. J'ai eu froid. Tout mon corps, de la tête, jusqu'à la pointe de mes pieds, ont commencé à chauffer. Je me suis levé, je suis allé vers l'équipe de la délivrance. J'ai dit, ma tête me fait mal, ma gorge, je ne peux pas bien prier. Quand ils ont commencé à me poser les mains, j'ai commencé à vomir comme ce n'est pas possible. Vraiment, je voulais dire merci à Dieu qui m'a délivré du piton. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est Esme Amari Marceline et mon faisait des disciples est Pasteur Conan Mathieu. Je vais remercier Dieu parce que tout à l'heure, quand papa dit on n'a qu'à prier pour la famille, que Dieu nous pardonne de tous nos péchés. Il faut dire que chez mes parents, eux, ils adorent l'homme. Maintenant, les prophètes sont décédés. Maintenant, ces chaises ou bien la table, maintenant, ils se prosternent pour adorer. Donc, pendant qu'on attend de prier, on dirait que c'est là-bas même que je suis partie. Et je suis en train de prier, supplier Dieu de nous pardonner parce que ce qu'on a fait n'est pas agréable à ses yeux. Il n'a qu'à nous pardonner. J'ai crié au Seigneur et le Seigneur m'a montré quelque chose. C'est un génie vieillard qui n'a, quand tu le vois, mais vieux filé. Il est courbé comme ça. Quand papa a dit chicotez-le, j'ai saisi le bâton. Je le chicotais, je l'ai enchaîné et il marchait comme ça. Et puis il me regardait, et puis moi j'ai fait comme ça. Et puis il partait, j'ai fait comme ça. Je l'ai chicoté, tout ici est devenu rouge. Et je sens que j'envoie, je dis maintenant, l'éternel Dieu, Père, envoie le salut dans le cœur de ma famille. Et je vois maintenant le cœur de ma famille, le Seigneur est en train de toucher le cœur. Parce que ça fait 14 jours, j'ai pris juste des 14 jours pour ma famille avant de venir à Tchékoua. J'essaie et crie au Seigneur. Jean, je veux lui rendre gloire, lui qui pardonne nos péchés. Je veux lui dire merci. Et mon deuxième témoignage, hier, quand les sémés en train de chanter, avant de venir, j'avais fait mèche. Donc, j'avais mal à la tête. Je ne savais pas. Moi, je pensais que, comme mon beau allait pomper la chambre, comme il y a beaucoup de moustiques, je pensais que c'était ça. Et je suis venue à Tchékoua. Pendant que les sémés en train de chanter, j'étais assise là. Parce que quand je prie, mon Dieu, je prie en silence et je l'écoute. Quand je lui parle, il m'écoute. Quand je parle, j'ai une, oh, quelque chose à moi qui me dit. Donc, j'étais assise. Et j'ai dit, hey, Seigneur, ma tête me fait mal. Et si ma tête me fait, elle fait comment pour me consacrer pour la prière? Et c'est là que j'attendais une voix qui dit, enlève tes mèches. Et j'enlevais à côté, ici, les trois là. Quand j'enlevais, je commençais à sentir la douleur, la guérison. On m'arrivait à la maison, j'enlevais les mèches et je suis guérie. Je vais glorifier le nom de Jésus. Je ne vais plus mes mèches sur ma tête. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je suis la sœur Kwaku Rosalie. J'ai pour faisait des disciples la sœur Baboza Suzanne. Pendant qu'on a commencé l'intercession, j'ai vu le Seigneur Jésus descendu sur un cheval tout blanc et il avait son épée à main. Je dis merci au Seigneur parce qu'il est au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, amen. Au nom de Jésus-Christ, je me nomme Adopo Sepi Juliette. J'ai pour faisait pasteur Kripe Dagame. Je remercie le Seigneur qui nous a délivrés de la sorcellerie et de l'esprit de mon père. Parce que moi, je ne connais pas mon arrière-grand-père. Au moment où papa disait que les esprits n'ont qu'à quitter dans la famille, voici que mon arrière-grand-père, il vient me dire que je vous ai maudit de la sorcellerie jusqu'à la quatrième génération dans la sorcellerie. Et à 4 heures, je me suis levée, j'ai eu diarrhée. C'est comme dans ma gorge, quelque chose est calé là-bas qu'on vient. Et puis on me dit que ça vient de l'homme. Et au moment où on priait, j'ai commencé à vomir.
ils ont commencé à vomir. Les frères m'ont cherché pour aller. Quand ils m'ont cherché pour aller, ils ont prié pour moi. Ils ont commencé à vomir jusqu'à voici que le python dit qu'il a avalé mon cœur. Maintenant, il y a un cobra, il a trois têtes. Et en priant, mon papa biologique qui m'a initié dans la sorcellerie à l'âge de 4 ans, il sort de moi et puis il s'en va. Donc je vais bénir le nom du Seigneur qui m'a délivré de la sorcellerie. De la sorcellerie à l'âge de 4 ans jusqu'à aujourd'hui. Il a gâté toute ma vie. Donc je vais bénir le nom du Seigneur qui restaure la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Inès Kamga. Mon frère et disciple, c'est le pasteur Meunier Boniface. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré d'une oppression. Il faut dire que depuis l'âge de 10 ans jusqu'à mes 31 ans, j'avais une douleur au dos. Quand ça me prend, je me croule, je tombe. Et après, je me relève. Et ça m'attrapait souvent à l'école. Une fois même, ça m'attrapait en cité, en pleine nuit dans la douche. Il n'y avait personne pour me secourir. Mais lorsque nous étions en train de supplier Dieu que le Seigneur pardonne, j'ai senti cette douleur me traverser. C'est comme si c'est sorti de moi. Et j'ai compris que le Seigneur venait de me délivrer. Amen. Et quand j'étais en train de prier, le Seigneur m'a rappelé que j'avais gardé quelque chose contre un membre de ma famille. Et pour cette personne-là, j'intercédais, mais à cause d'une attitude, j'ai arrêté de prier. Et le Seigneur m'a dit de revenir à ça, qui m'a pardonné, mais de revenir maintenant à intercéder pour cette personne. Je veux dire vraiment merci au Seigneur qui m'a restauré. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Andio Kofi Justin. Je vous faisais la sœur Tapé Elodie Jacquesville. Je vais être infiniment reconnaissant au Seigneur de ce que le Seigneur m'a délivré ce soir. Pendant que papa disait que toute maladie en venant de la famille, le Seigneur m'a délivré. Je souffrais d'une maladie de cerveau et le Seigneur m'a délivré ce soir à travers les sujets de papa. Je vais être infiniment reconnaissant au Seigneur pour ses bienfaits. Que son nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Yoboué Justine. Je vous faisais le pasteur Raoul d'Abengourou. Lorsqu'on priait où papa disait d'arracher tout ce qui nous appartenait, j'ai vu une voiture qui était garée là. Et la voiture était remplie d'habits, de vêtements et de mallettes. Les mallettes étaient remplies d'argent. Et chacun partait ramasser. Tout le monde a reçu tout ce que nous avons. On a déchargé la voiture. Tout ce qui était dans la voiture a été renversé. J'aimerais dire merci à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Sarah qui a pour faiseur maman Gucci. C'est pendant que le pasteur était en train de prêcher, j'ai eu une vision. J'étais face à un cimetière. Mais c'était dans un village. Et dans le cimetière, je voyais dans chaque tombe des femmes enceintes, des enfants, des personnes âgées comme des jeunes personnes. Et dans le village, c'est des squelettes plutôt qui sont dans les maisons. Et pendant que l'homme de Dieu continuait à prêcher, il parlait de la mort, j'ai vu une tempête dans le village. Moi, j'étais face au cimetière. Mais dans le village, il y a eu une tempête et les squelettes ont commencé à quitter les maisons. Et dans les tombes, les personnes vivantes étant couchées sont sorties des tombes avec leurs bagages et ont regagné les villages. Et puis les squelettes sont entrés dans les tombes. Jésus-Christ. Deuxième vision, c'est une vision aussi. Et j'étais face à un lieu où il y avait des tuyaux de canalisation depuis longtemps qui était dévissé et entassé quelque part. Mais ces tuyaux étaient en fer et puis rouillés. Et j'ai entendu, pendant que le pasteur était en train de parler, il a donné un sujet. Et pendant qu'on était en train de prier pour ça, j'ai entendu, j'ai rétabli toutes choses. Voilà, selon le sujet concernait la repentance au sein de nos familles, de tout, disons, le péché, la malédiction divine. Voilà.
la malédiction divine. Et j'ai vu cette tuyau-là qui avait été dévissée longtemps, mais enfin, mais qui était rouillée. Et j'ai vu des ouvriers qui sont venus rapidement commencer à remettre les tuyaux vissés et l'eau a commencé à jaillir. Et j'ai entendu, j'ai rétabli toutes choses. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Je m'appelle Kwadjo et Nico, m'éveille ma mélodie. Mon faiseur de disciples, c'est le moment de Christ. Je veux dire merci à Dieu parce que je souffrais de paludes graves. Il m'a délivré. Amen. Soyez bénis. Moi, c'est le frère Gay Makrizi. Je vous fais d'ici Papa Ibo Lago. Je voudrais infiniment dire merci à Dieu qui vient de délivrer ma famille aujourd'hui par deux visions. Il m'a montré ça clairement. La première vision, c'est quand le pasteur Meunier nous a dit d'intercéder, de demander pardon à Dieu qu'il lui-même il enlève les principautés qui sont établies sur notre famille. Quand je priais, j'ai vu d'abord une première éclair, deuxième éclair, troisième éclair. Après, j'ai vu quelqu'un qui tombait. Il était brûlé, tout son côté était brûlé. Mais il tombait jusqu'à quand il est descendu sur le sol. Il est devenu comme un oiseau calciné. Quand j'ai vu ça, j'ai dit gloire à Dieu. Et en même temps, le pasteur nous a encore conduit dans la prière. Pour, il nous a dit de prier maintenant pour chasser, pour dire à ces démons qu'ils ont qu'à partir. Ils ne sont pas venus avec quelque chose. Donc quand je priais encore comme ça, j'ai vu un homme petit de taille noire. Il avait porté une blouse. Dans ça, il en avait de l'argent. Il déposait sur la table. Il déposait sur la table. Et puis il y avait une rangée de fétiches qui étaient comme ça entassées. Et il s'est mis devant, il a commencé à tirer et puis partait. Il a laissé l'argent et puis il a commencé à tirer tout ce qui était venu à ça, il partait. Quand j'ai vu ça encore, j'ai dit gloire à Dieu. Et dans le même instant, on continue encore dans la prière sur les animaux. J'ai vu quelqu'un qui a attrapé un alligator. Un alligator est ventré et puis le tirait, il partait. Moi, je faisais qu'il regardait le gars qui partait avec l'alligator. Quand j'ai vu ça, je ne peux que rendre gloire à Dieu. Je lui dis merci pour la délivrance de ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, Jésus me fait la grâce de toucher Pasteur Meunier. Je sais que j'ai touché Jésus-Christ. Je ne veux pas être longue. Je veux dire seulement merci à Dieu parce que mon problème est déjà résolu. Cette année, je vais présenter un concours pour la première fois. Et parmi les enfants de ma mère, c'est à moi seul que Dieu a fait la grâce d'avoir le BPC et le CAP. Je veux présenter le concours de aide-soignante. Et je sais que le Seigneur veut m'accorder cela parce que dans la famille, c'est la pauvreté chronique. Et je sais, parce que je l'ai touché aujourd'hui, cela va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Amen! Gloire à Dieu. Je m'appelle la sœur Ndri Aya Inès. Je suis pour faiseur de disciples, la sœur Néa. Je veux dire merci au Seigneur d'avoir délivré ma fille de l'envoûtement. Lorsque nous étions assis, déjà même, il y a une sœur, il a présenté ça à une sœur qui fait la délivrance. Elle m'a dit que c'est l'envoûtement parce que le ventre de mon bébé, là, c'est gros comme ça. Des puces, c'est dur. Ça fait un mois. Donc, quand on est arrivé ici, elle a présenté, elle a dit que c'est l'envoûtement. Donc, tout à l'heure, là, quand on priait, papa a dit on a quand même insisté pour la maladie. Et puis, le Seigneur m'a montré dans une vision. Son ventre était déchiré. Et puis, il y a tête de singe qui était sortie dans son ventre comme ça. Donc, je veux bénir le Seigneur vraiment d'avoir délivré ma fille au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme Gossin Naomi. Je suis faiseur de disciples, maman et humain Roger. Je voulais dire merci au Seigneur de m'avoir guéri. Parce que quand le papa priait, j'ai vu mes yeux, mais que je ne vois pas clair. J'ai vu en songe que Dieu m'a guéri, l'enlevé l'aveuglement sur ma vie. Je voulais dire merci à Dieu pour cela. Et mon deuxième témoignage, je voulais dire merci à Dieu de m'avoir béni d'un mot de ventre qui me tourmentait depuis des mois. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Jésus-Christ. Le frère Josias va venir déposer les livres ici, les livres qu'on a déjà subventionnés. Les livres qu'on a déjà achetés pour les frères. Si tu as 1000 francs, tu viens, tu prends. Les autres, si tu ne veux pas de livres, toi tu rentres seulement. On se retrouve demain. Chaque jour est un nouveau jour. Let's meet here tomorrow. Les jours ne se ressemblent pas. Every day is a new day. La bénédiction est là. The same. On se retrouve demain.